Bonjour. Jeudi, la journée est bien entamée, il est 4h moins le quart. J'ai commencé, ça y est, depuis ce matin, parce que j'ai tout reçu. La prod de la boxe de novembre, c'est du boulot. C'est du boulot surtout quand il y a... Enfin là, il y a plein de petits éléments que je dois personnaliser. Donc chaque élément prend du temps. Là, j'ai envie, déjà, ça me permet de faire une pause gourmande et en même temps, je vais pouvoir filmer. Parce que dans ma dernière vidéo où je ne montrais pas, mais je disais que j'allais me faire et que j'aimais de plus en plus le Golden Milk. Golden Milk que j'ai montré dans l'avant-dernière vidéo et j'ai eu pas mal de personnes me disant « Oh, montre-nous comment tu fais, comment tu fais. » Donc, je l'ai déjà montré sur YouTube, mais là, je vais faire sur Insta. Je vois le ciel bleu. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu un ciel aussi beau. J'ai très 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 envie de sortir, de marcher, mais j'ai pas énormément de temps. Qu'est-ce que c'est galère de filmer des recettes de cuisine, j'en fous partout. C'est en train de chauffer. Puis en même temps, il faut que je surveille Jack. Puis quand il aime le curcuma et le poivre, je ne sais pas. Timing parfait, Eric vient de rentrer, j'ai fini le tournage. Tu veux vraiment pas goûter? Non, mais c'est bon. Pourquoi? Non, mais toi, t'aimes pas ce qui est exotique, hein? Ouais, non, mais... Ça sent. Oh, au moins sentir, s'il te plaît. Non. Sentir. Non. T'es neuneux. Tu vas être honnête. Tu peux pas dire que ça sent pas bon. Oh, ah bon? J'ai horreur de ça. Mais pourquoi tu me fais sentir un truc comme mais ça? Ça sent bon. J'ai pas dit que ça sentait bon. J'ai dit que ça sentait pas. Ouais, bon. Moi, vraiment, je vous conseille de le faire avec le lait végétal à la noisette. Plutôt que le lait coco, je trouve qu'il n'a pas de goût. En plus, j'ai pris coco sans sucre. Lait végétal. Quoi? Ouais, moi je me régale. Faites-le, on en reparlera. Oui, on en reparlera. La lumière fonctionne plus à côté. Je vais arrêter, je vois plus rien. Il doit être 17h30, hein. Il est 10h57, je suis absolument pas en avance. Je dois aller chercher le drive pour ma maman à 11h15. Même si je pense que c'est à partir d'eux. Vous allez assister à une préparation ultra rapide. Hein. Donc on va se mettre un petit gilet, évidemment. Voilà. De temps en temps, j'aime bien mettre des ceintures. Et là, ouais, je pense que ça sera plus sympa. Mes cheveux, comme d'hab, bah, c'est pas ouf. Voilà, hop, barrette sur le côté, qu'est-ce qu'on fait? On vient tirer, je sais. Oh, pourquoi tu tires tes cheveux baguettes? C'est moche. Bah écoutez, c'est moi. Je suis moche. J'aime bien. Voilà, c'est moi. C'est rapide, hein, je vous avais dit. Un petit coup, même si j'en ai déjà mis de baume. Là où je suis très contente, hier, je vous ai quitté dans le noir. J'ai dit j'arrête, il était presque 18h. Je me suis mise évidemment dans une autre pièce éclairée et j'ai continué pour m'avancer parce qu'en fait l'idée, là nous sommes vendredi 15 novembre et j'ai quand même envie, soit samedi, soit dimanche, de passer du temps avec Eric, éventuellement de sortir, de faire un truc. Mais pour ça, il fallait que je m'avance un max et c'est chose faite. Regardez notamment, là j'ai terminé ce matin, d'où le retard. Oh, il est 11h. Ça, c'est une bonne partie des bordereaux de novembre. J'ai tout écrit, mon adresse, l'adresse de la cliente. Ça prend un temps monstrueux. Et j'en ai d'autres là-haut. Et j'ai ceux de Belgique aussi. Faut que je fasse. Mais ah oui, et quand même, je préviens pour les personnes qui ont commandé la box de novembre, sachez que les expéditions commencent lundi 18 novembre. Il y aura peut-être mardi. Oui, c'est même sûr. Et potentiellement mercredi 20 novembre. Voilà, que vous ayez quand même un ordre d'idée. Et surtout, sachez que si vous commandez aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, vous aurez la fabuleuse box de décembre, tant attendue, la box de Noël. Elle est en commande jusqu'au 10 décembre. Elle va être exceptionnelle. Je me suis régalée à la confectionner. Enfin, je ne l'ai pas confectionnée, mais à faire la sélection, vous avez compris. Le truc, je vous ai dit ou pas que, oui, il faut aussi, elle m'a demandé de passer prendre du pain, donc il faut que j'aille chercher les baguettes. Je lui avais fait des petites courses il y a 2 jours de ça. Donc, il faut que je pense à les retirer du frigo pour lui emmener. Qu'est-ce qu'il est pratique, celui-là, là, que j'ai eu, bah, qu'ils m'ont donné, en fait, chez Maison du Monde. On va lui mettre des petits apéricules, santé les 7 jours, et des poires comices. Ah, au fait, si ça vous intéresse, sachez que la vidéo que j'ai tournée sur Instagram, recette du Golden Milk,
C'est en ligne, je l'ai mis en ligne ce matin. Caroline Rouxel, si vous voulez découvrir ça et puis me suivre. Ça là, ça sent la déchetterie. Hein. J'ai cru voir passer un gros minet. C'est bien lui. Ta mère, elle va voir mamie. Eh oui. Comme je passe devant et que bah, les courses apparemment c'est qu'à partir de 11h15, là j'ai pris le pain. Et que la paparazzouille qui est en moi est de retour. Je vais vous montrer, enfin, je sais pas si on verra grand chose, là où il y a eu le fond de scie là, de 4 mètres de profondeur qui s'est effondré dans cette partie historique de la ville. Forcément c'est une question de fondation, comme je dis, d'inondation, mais apparemment il était déjà là le fond de scie. Ah, ce serait là en fait. Et également cette partie, ah bah tu vois, il y a des caméramans et des journalistes, c'est France 3. Pour l'instant on n'a pas plus d'informations, effectivement, on a le fontis qui est référencé par le BRGM, donc qui est en train de voir effectivement si c'est un trou naturel ou un trou humain qui n'a pas été entretenu. Et ensuite une expertise bâtimentaire orale. Ok, bon, super. Merci. C'est gentil. Bonne journée. Merci à vous en tout cas. Bon, voilà, hein, vous avez entendu comme moi. Ouais, donc là c'est le maire forcément de la ville qui était. Oh bah c'est un beau bébé ça. T'es beau, ça m'épate toujours de voir des chats. Alors que c'est en plein centre-ville. Mais il a l'air très très prudent. T'es beau, hein. J'avais un chat comme ça, Gershwin. Il a été très sympa, le journaliste, hein, de me répondre. Donc voilà, je vous l'avais dit aussi. Hein. On attend, je pense, les expertises pour savoir. Ouais, j'avoue que j'ai hâte de connaître les conclusions. Vous voyez, quand je vous dis c'est quartier historique médiéval, ça a beaucoup de charme, hein, par contre. Je viens d'arriver au drive. Ouais, ça se trouve, vous en entendrez parler. Je le souhaite pas, parce que ça sous-entendrait que c'est encore plus sérieux que ce que je crains. J'ai envie de dire... à suivre. J'ai appelé ma maman pour lui dire que j'aurais un petit quart d'heure de retard, même si elle s'en fout. Hein. Elle me dit, tu manges avec moi ce midi? Je bah bien sûr. Ah, là la dame. Et ben voilà, allez. Il m'énerve Eric avec ses cartes Marvel, il m'y prend-les. Et tous les ans, je me retrouve avec plein de trucs comme ça qui n'ont même pas été ouverts. Il les colle pas dans le cahier. Moi, ouais, je suis un petit peu deg, je suis chez ma maman, vous l'aurez compris. J'étais prise de court, j'avais tellement de questions à poser. En même temps, je ne sais même pas si tu aurais été au courant, mais à savoir, est-ce qu'il y avait une corrélation entre l'effondrement du fontis dans le restaurant et les trous dans les jardins avoisinants. Il devait y avoir un périmètre de 50-100 mètres. Et surtout, si les experts étaient déjà passés, et quand ils comptaient passer, et combien de temps il fallait pour rendre des conclusions. Parce que franchement, c'est bizarre. C'est très bizarre. Enfin, je veux dire, le jour où le restaurant, ça s'effondre, le même jour, oui, c'est le même jour, parce qu'en tout cas, les infos ont été données le même jour, à 50 mètres, il y a des trous aussi dans une maison. Mais non, j'ai pas été bonne sur ce coup-là. J'aurais dû plus... Il faut que je m'entraîne. L'info dès qu'elle tombe. Je crois qu'elle est en train de nous faire une purée, là. Mm. Tu nous fais une purée? Oui, mais un écrasé. Oh, un écrasé de patates. Bon. Un sacré coup de poulet. Et pourquoi c'est mieux l'écraser? Oh bah c'est un autre goût si tu veux. C'est pas un autre goût, une autre consistance. Je suis de retour avec le gilet à l'endroit. C'est en dérochant que je me suis rendu compte. Allez, con. Mention spéciale, vraiment, pour l'écrasé de pommes de terre. Waouh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est gourmand. Je voulais customiser quelque chose dans mon bureau, ça me trotte, ça fait plusieurs fois que j'ai « Ah, ça pourrait être pas mal, c'est que une ébauche là pour l'instant dans ma tête. » Mais, bon, le mieux c'est que je vous montre et qu'on le fasse ensemble, ça dure pas trois plombs, rassurez-vous. Mais ça peut être cool de le faire avec vous. On a un petit biou qui est là. Bah, il a pas bougé des masses, hein. T'es bien là, hein. Alors, je vous explique. Ça, c'est un petit portant à carte de base, dans lequel, vous pouvez le constater, il n'y a absolument rien. C'est dommage, je trouve. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose. Je vais avoir besoin de 3 stickers, le boudoir, éventuellement une pampille, voire peut-être 3, et tous mes flyers de la box. Alors, là, on va se mettre les petits autocollants. Voilà. Déjà, là, il a pris de la valeur, hein, bien sûr. Attends, je vais le placer là, ce sera plus simple. Donc, ça peut être mis comme ça, et auquel cas, bah, l'autre ici. Parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre peut-être juste là. Mais ça... Ouais, non, ça passe pas.
ou bien je le mets comme ça, sur les côtés. Et voilà le résultat. C'est quand même autre chose, hein. Alors, vous l'avez vu, la vitesse. Il est parti. J'ai un peu le temps de vous le montrer tellement il est allé vite. Les croquettes sont tombées. Je trouve le résultat très sympa. Je pense qu'au fur et à mesure, je changerai. Celui-là, par exemple, il est carrément de circonstance. T'es quand même pas sérieux, hein, de te précipiter comme ça. Tout ça pour finir sur le radiateur, en plus. Vas-y, t'es bonne quand même, tes croquettes. Tu me fais rire. Oh, son billou. Ah oui, c'est vrai, ce soir, c'est Star Academy, pourtant, on est vendredi. Je vous l'annonce. Enfin, il y en a plein là qui s'en foutent parce qu'ils ne regardent pas Star Academy. Je vous annonce que depuis... Bah, c'était depuis le début, elle aussi, avec Paul. Moi, c'était Marguerite. Et j'en ai une qui était au début, oh, j'aimais pas trop. Et là, vraiment, pour moi, elle se révèle et j'aime de plus en plus, c'est Marine. Voilà, c'est dit. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, Marguerite et Marine, c'est mon top 2. Je l'avais oublié. Je vais reprendre le montage du vlog et bah, je vais devoir arrêter maintenant, alors pour le coup, ce petit vlog, mais j'avais envie de ne pas vous laisser voilà, sans vlog pour ce week-end. On va se retrouver évidemment lundi pour la suite des aventures. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et vous remercie d'être toujours fidèle au poste. Bisous et bah à plus tard. Ciao.